Bon, cette vidéo est un re-upload suite à la suppression du son complet de ma vidéo de la part de Pédale qui n'était pas content d'entendre un pauvre extrait d'une de leurs musiques pendant 1 minute de la vidéo dans un mix d'une heure que j'ai chopé vite fait sur SoundCloud. En plus de ça, chose que je n'avais jamais dit auparavant, je me suis engagé à monétiser aucune de mes vidéos. En plus, vu le nombre de vues, ça ne changerait absolument rien. Donc au lieu de faire comme la plupart des autres, c'est-à-dire monétiser mon travail et récupérer l'argent, si ils en ont un jour avec mes vidéos, ils ont carrément préféré saboter du temps et du travail sans poser de questions. Donc ça casse-couille, clairement. Heureusement que je n'avais pas encore viré la sauvegarde du montage, ce qui m'a permis de rattraper plus ou moins le tir. Le seul problème reste celui du temps d'upload, puisque je n'ai pas le luxe d'avoir un très bon upload, ce qui m'a fait coucher tard et finalement juste pour qu'on me fasse pendre des FDP. Bref, j'annonce le retour de cet épisode en espérant ne pas avoir à le re-re-upload. Salut à tous, donc c'est Exilon et on se retrouve pour le second épisode sur RST2 en compagnie de Sir Orko. Alors ça va peut-être déplaire à certains, mais encore dans ces prochains épisodes ainsi que celui-ci, ça a une continuité avec la soirée qu'on a passée sur RST2 et donc ça peut être encore un peu monotone pour vous. Et j'ai encore fait des coupures, etc. Voilà. Donc bon épisode à tous, j'espère qu'il vous plaira comme d'habitude. Et n'hésitez pas à me conseiller des choses que je n'ai pas en tête à faire dans le montage. Voilà. Allez, bon épisode. Oh, putain. Salut Théro. Je sais plus combien j'avais mis moi dans mon parc. Voilà, du coup j'ai monté à 7. Putain, ça faisait. On trouve bien bien là. Par contre, on peut atteindre facilement les 3 000 par mois. En même temps, mais 24 personnes à 8 €. Allez, la pluie, arrête-toi, STP, on fait du pognon. C'est bon, ça a arrêté chez moi. Chez moi, on peut toujours. Impossible. Donc, je vais continuer un peu de farming. Ah, il y a déjà plein qui chialent, j'ai plus d'argent. Demande pourquoi. Il y a plein qui veulent pas payer pour les toilettes, mais bon, ça, tant pis. Lol. Le mois d'avant, on était à 2 900 par mois. Avec les tickets des attractions. Et là? Ben là, on était au milieu du mois, donc là, on était seulement à 2 300. Faut voir la fin du mois. Alors, je regarde. Ticket attraction là. Allez. En même temps, quand ça brûle, fait rentrer. Ça gagne combien d'heures par mois? Bizarre, t'as viré l'emprunt? Ah non, merde, 12 000! J'ai jamais vu une attraction qui rapportait autant. Mais l'emprunt, on en a jamais fait, tu sais. Je sais, je suis réalisé. Après. Je crois que t'en faisais un, moi, en fait, mais en fait, non, c'est. Tout en faisant entrer les gens dans l'attraction, ça montait. Ouais. Oh non, pas pleuvoir encore! Oh shit, j'avais mis la taille, bon. Putain, ça part hyper vite l'argent avec les terraforming, c'est abusé! Ah, ça si, ça coûte cher à crever! Casse les couilles! Ah, et mon bonhomme qui a quitté le parc parce qu'il n'y a plus de pognon! Tu m'étonnes, vu comment les pigeonnes. Ah, c'est une bonne idée le toit là! Ah, oui, mais ça rend dégueulasse! Je vais tenter un truc que tu fais. D'abord mettre le toit et puis le rail, non? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Attention, je pédale. Bon, bah, solution numéro 2. Lol, t'as déjà dépensé 5 000. Pas mal celle-ci à mettre combien ça a dépensé. Yo. Alors, sinon, moi de mon côté. Lol, la file d'attente du Woodon est pleine. Hein. La pleine.
Bon, vous êtes de toute façon, toi, attends tes 3 minutes. Et t'as début de billard. Ouais. J'ai l'impression que ça marche pas avec ça. T'as toujours laissé le truc pourtant? Ouais. Avec quoi? Avec les coasters. Attends. Ils peuvent se rentrer dedans? Ouais. Si j'ai testé. Ah oui, ils peuvent se rentrer dedans. What the fuck? Ah oui, mais quand tu passes, par contre, ça marche pas. Ok. Je comprends. Ah oui, en jouant, on a fait plus 5000. Ils foutent son pigeon, les gens. Mais où? Dommage, c'est pas le fond de la vraie vie. Je vois par le direct. N'empêche, c'est pas mal quand tu vois les tons qui vont à Disney avec leurs gosses et qui sont pas toujours payés. Ça, c'est cool. Surtout la peluche Disney, ça leur coûte 30 cents à fabriquer. Ça leur vend 30 euros. Allez, bonk! Monnaie, monnaie, monnaie. Je trouve pas que ça fait un peu juste. Où? Le virage en dessous du lift. Un peu juste. Au niveau accroche? Ouais. Non, parce que quand tu le mets dans la vue là, oui, mais quand tu le mets dans la vue où tu vois entre guillemets. Ouais, c'est bon, j'ai vu une autre vue et qui est mieux. Ouais. Je sais pas comment décrire cette vue. Ça passe beaucoup mieux. Là, c'est un certain endroit d'un vue, tu vois le Wooden, et d'autres, tu vois le Looping, enfin le First Coast. Ouais. What the fuck, bon. Lol. Ça a carrément transitionné avec des trucs, what? Bon, voilà. Totalement bugué. Voilà. C'est bon, ça a vidé les allées. Le nombre de visiteurs augmente, mais sur les allées, ils sont moins tout au même endroit. Ça marche. Opinion, je me sens mal, j'ai déjà une carte du parc, ça pour l'été génial, je n'ai pas ça. J'ai plus d'argent. Mes distributeurs. Oh, ça vaut la peine? Ouais. Yo, l'oseille s'est mis. Là, je me rappelle le distributeur avant, j'entourais de murs et tout. Parce que tu vois le coffre à l'arrière, tu vois. On se souvient ça. Alors j'avais peur les gens aient volé. Ok, on a fait 7700 en juillet. Ouais, en comptant le terraforming, on te rappelle. Non mais 5700, ça c'est les revenus d'attraction. Ah. Le bénéfice total, il est de 3000. Oh. Oh, t'as été généreux là, t'as pas dépensé beaucoup. Attends, je peux te dire que j'y vais, hein. Quel distributeur, s'il y a déjà eu des clients. Ah oui, il y en a déjà eu 50 quand même.
Ah, j'ai fait une bonne idée. Je crois qu'on va devenir partenaire avec les banques. Ouais. Et tu vas faire penser. T'empêche, t'imagines que dans la réalité, ce serait que l'université 2. Des vomis tous les 2 mètres. Ah, je plains les gars qui gèrent ça quand même. Tu mets des bottes en caoutchouc, tu vas plus y aller alors. C'est clair. Ok. Ouais, va falloir que je gère un truc que j'ai pas pensé avant. Alors, désactiver les collisions. Hop. Ça calcule bidouille. Donc là, il veut pas. Qu'est-ce qui le dérange le plus? Est-ce que c'est ça? Ou est-ce que c'est ça? Ça, non. Putain, sérieux, quoi, c'est quotidien. Ok, j'ai compris. Bon, je crois que je vais faire ça autrement. Ah, je crois que c'est bon, ils veulent plus payer. Je ne paierai pas si cher pour carousel. Tiens, si je fais renew ride, ça fonctionne? Ça devrait fonctionner normalement. Apparemment, non, c'est pas ce pigeon, tout ça. Ah, si. Ah si. Ah, c'est bon à savoir ça. Le renew ride, ça fonctionne. Oui. C'est même très bon à savoir. Alors donc ça, pour une fois qu'ils me franchissent une partie, hop, est-ce qu'une renew ride. Hop, ils repartent, sont prêts à payer 30 euros. Félicitations, tu as dépensé 16 000 en pognon. Merci. Et tu as fait 1000 actions de plus que moi. Je mets quoi comme thème pour vous donne. Non, j'avais pensé bah du coup à Medieval, ouais. Medieval ça, ouais, Medieval fantaisique. Ouais, pourquoi. Oula, tout le vomi qu'il y a ici. L'endroit. Devant le Wooden. Je sais pas, y'en a pas. Attends, si tu permets, je vais revenir. Ouais. Voilà. Au revoir encore. Non.
Tout le temps après tout d'un coup. C'est clair. Oh, désynchronisation. Yeah. N'empêche, dans les développeurs, c'était deux, ils étaient à fond. Ils ont même fait une animation pour les mecs qui vont au distributeur de billets. Oh. Dans ces trois, ils l'ont même pas fait, je parie. Surprenant, hein. C'est un peu tôt, c'est... Les trois, je suis même pas sûr que le distributeur de billets ait une utilité. Vu que moi, les gens font beaucoup d'attractions. T'empêche de parier dans cette étroit, il y a plus de gens qui ont joué sans pognon qu'avec le pognon. C'est même pas un jeu de gestion, ça. Mais par jour, je dépasse tellement mal que. Parce que moi, j'essaie, mais après, quand tu vas trop au parc, les gens arrivent pas à se déplacer, t'as pas d'attraction vide. Ouais. C'était 2 aussi, ça le fait, mais. Mais bon, beaucoup moins d'Arcet 2, je trouve. C'est vraiment quand t'as commencé à un énorme parc là. Et parce que moi dans C3 j'avais un petit parc, je sais pas si tu te rappelles mon tout dernier parc que j'ai fait un peu. Mmh. Avec que j'avais un Schwarzkopf propulsé, des bûches, un petit parc aquatique. Bon bref, j'avais fait un motorbike. Le motorbike à un train, et pourtant le train je crois qu'il contenait 16 personnes. Et ben même à un train ça tournait à vide. Putain. J'avais du mal à remplir la moitié du train. Les gens, quand j'étais plus à C3, ils sont mous, mais mous. Puis après, les groupes, ça fout la merde, ça. Ah, ouais, ça, c'est encore pire. Parce qu'il y en a un qui veut acheter, puis après, ok, c'est bon, puis après, il remarche, puis après, c'est l'autre qui veut acheter. Ah, c'est dommage que ça a parté d'une bonne initiative en plus. Ouais, parce que les groupes, c'est génial comme idée. Et puis, il en fait qu'il partout. Mais bon, c'est que ça a peut-être pas été très bien codé. Et voilà. Et bon, enfin, on voit que C3 a beaucoup été fait pour être casual, entre guillemets. Mmh. Et j'étais en train de me rappeler que Cortez avait essayé de créer des jeux, toi. On va réfléchir. Jamais vraiment essayé. Moi non plus. Ça m'intéresse pas plus que ça, moi. Le seul truc que j'ai pu faire, moi, c'est une map aventure sur Minecraft. Waouh. Oh putain. La mini-golf, tu te rappelles. Ah oui, bon, ça va très bien. Et d'ailleurs, bidet, justement. Ah, justement. D'ailleurs, je t'ai rappelé que tout ça a été fait sans World Edit. Ouais. Et que je m'étais amusé à remplacer toute la terre par de l'herbe manuellement. Comme un gros mongol. C'est plus ou moins ce que je fais là. Ça peut te consoler. Pas empêcher d'exploser les ballons, toi, c'est réflexe. Ok, si. Ouais.
Je vais mettre une infirmerie tout près du Wooden. Parce que ça commence à bien dégueuler là. C'est plaisant en tout cas de travailler à deux fois même pas. Ouais, ça change. Moi je suis désolé, j'ai fait quelques modifications dans le track. Ouais, ok, je vais voir ça. Ah, tu vois, t'as légèrement modifié ma. Ta fin surtout. Y'a pas trop le choix. Bah, c'est pas. Bon, avec le terrain, non. Oh, c'est pas grave. On va voir si ça passe, moment de vérité. On sent mal. Ah non, c'est bon. De justesse, ça passe. Très très juste. Toi. C'est hardcorement juste. Même toi. Ah là, avec un peu plus, il y a un peu plus de vitesse, donc ça peut-être pas mieux passer. Non, par contre, il a été freiné par les frais de bloc. C'est trop lent. Putain, c'est abusé. Fait chier, faut trouver la solution parce que ouais, c'est trop lent quoi. C'est trop lent parce qu'en plus, tu vas te souvenir, sur le middle coaster break, ça a pas le temps, donc ça bloque aussi. Mais c'est encore un petit peu, ça passait. Ah, ça passe pas chez toi? Bah si ça passe, bon, ça passe à un peu plus de vitesse toi. Ah. Parce que oui, chez moi ça passe mais assez rapide. Oui, je comprends. C'est bon, je trouvais une issue. Ah. Ça fait un peu dégueulasse mais bon. Laisse l'inspecteur respecter ça. Ouais, ça va. On dit bosser airtime. Ouais, voilà. Bon, sinon, moi j'essaye de faire un peu de thème, mais bon, c'est pas le thème qui m'inspire le plus, disons. J'essaye de faire un truc qui reste pas trop mal, bon, même si c'est le début. On va voir ça. Oh! Pas très très glorieux. Comique.
Oh putain, ça y est, j'ai fini. Ah, de venir voir ça tout de suite. Ça, j'ai fini. Ah, tout, j'ai fini. C'est la fourmi. Ouais. Ah, voilà. Ah, c'est pas mal. Petit port comme ça. Alors, j'ai marqué un bug. Ouais, qu'il y a des trois qui les dépassent. Non, il y a le rail qui ressort du terrain. Qui ressort du terrain. Tu vois les deux loops. Ouais. Un peu plus haut. On voit beaucoup. Ah oui, ça, ouais, ouais, je cacherai après. Ouais. J'aime mieux ça.